Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Nous allons voir comment il est possible de sauvegarder et restaurer le menu démarrer. En effet, si vous avez personnalisé le menu démarrer et que vous désirez ne pas devoir tout recommencer lors d'une réinstallation de votre système d'exploitation, vous pouvez donc sauvegarder et restaurer le menu démarrer très rapidement et simplement en seulement quelques clics, ce qui va grandement accélérer la remise en fonction de votre PC. Assurez-vous d'être connecté en tant qu'administrateur si vous souhaitez créer une sauvegarde d'un autre compte utilisateur de celui sur lequel vous êtes connecté. Cliquez sur l'icône Rechercher. Tapez Regedit. Ouvrez en tant qu'administrateur. Nous y voilà. Copiez et collez le chemin indiqué dans la description, ici. Puis tapez sur la touche Entrée de votre clavier. Vous arrivez directement sur la clé. Faites un clic droit sur la clé et sélectionnez Exporter. Ouvrez le chemin vers votre dossier de sauvegarde, puis nommez-le comme vous le souhaitez. Et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez ensuite quitter Regedit. Vous devez copier deux dossiers, dans lesquels se trouvent entre autres le dossier menu démarrer et le fichier layouts. Pour accéder au dossier, cliquez sur votre disque local système. Sélectionnez l'onglet Affichage, puis cochez la case Éléments masqués. Le dossier Programme Data s'affiche. Je vous conseille de copier le dossier Programme Data dans son intégralité, mais il vous faudra un gros support de stockage. Voilà, c'est fait. Il reste un dossier à copier. Ouvrez le dossier utilisateur. Voici le dossier application data. Vous avez entre autres les configurations des logiciels, profil navigateur, gestionnaire email Thunderbird, etc. Clique droit puis sélectionnez copier vers. Nous avons vu comment sauvegarder le menu démarrer, voici maintenant comment restaurer depuis les sauvegardes qui ont été effectuées. Si vous effectuez ce processus sur le même PC, il n'y aura rien à faire hormis le transfert et l'installation de vos logiciels et drivers. Ceci peut être effectué après le transfert, au choix. Par contre, comme dans mon cas, sur une nouvelle configuration, vous devrez nettoyer les dossiers application data et programme data. Des éléments qui ne doivent pas être transférés, tels que les dossiers de votre carte graphique si vous passez de Nvidia à AMD. Vous avez compris le principe. Si vous utilisez un logiciel de sauvegarde et restauration qui est capable d'émuler une sauvegarde, vous pouvez l'utiliser pour copier vos dossiers. Pour l'exemple, je vais utiliser Aomi Backupper. Cliquez sur l'onglet Outils. Sélectionnez l'outil Explorer l'image. Sélectionnez l'image à émuler. Entrez votre mot de passe. Le tableau vous indique quelle lettre est attribuée aux partitions virtuelles qui vont être créées. Cliquez sur Suivant. Puis sur Terminer. La sauvegarde est émulée. Vous pouvez maintenant ouvrir la partition virtuelle pour aller copier et transférer les dossiers.
retournez dans le logiciel. Cochez les cases puis cliquez sur Détacher. De ce fait, avec cette option, vous n'aurez a priori pas besoin de sauvegarder les dossiers autrement. Juste à la clé de registre comme indiqué plus avant. Voici un exemple concret après la réinstallation du système d'exploitation de mon ancien PC. Une fois le système d'exploitation installé, faites de suite une recherche de mise à jour Windows. Une fois effectué, faites une sauvegarde d'image au cas où. Cliquez sur l'icône au menu Démarrer. Sélectionnez Paramètres, puis Mise à jour et Sécurité. Sélectionnez Sauvegarde. Cliquez sur Accéder à l'outil de sauvegarde et de restauration de Windows 7. Puis sur Créer une image. Sélectionnez l'emplacement, puis cliquez sur Suivant. Suivant et pour finir, démarrer la sauvegarde. Maintenant que cela est fait, on peut commencer le processus. On va déjà nettoyer le menu Démarrer. Voilà, c'est fait. On va se rendre dans le disque système. Cliquez sur l'onglet Affichage, cochez les cases Extension des noms de fichiers et éléments masqués. Vous pouvez maintenant ouvrir votre dossier de sauvegarde ou autre accès comme vu précédemment en émulant une sauvegarde. Nous allons aller dans le dossier Menu Démarrer afin de changer le chemin d'accès des raccourcis, dans le cas présent où le PC serait différent de celui-ci qui a été à l'origine de la sauvegarde. Pour s'y rendre, ouvrez le dossier Application Data, puis Roaming. Sélectionnez Microsoft, puis Windows. Ouvrir le dossier Menu Démarrer, puis Programme. Nous y voilà. Ici se trouvent tous les raccourcis logiciels et autres qui ont été épinglés au menu Démarrer. Vous pouvez vous apercevoir que les icônes ne sont pas présentes. C'est tout simplement le fait que le PC sur lequel est fait cette procédure n'a pas les mêmes chemins d'accès. C'est-à-dire que sur le PC d'origine, le chemin d'accès des raccourcis pour les logiciels portables était le disque H. Mais sur celui-ci, il n'y a que deux disques durs, donc C et D. Alors comment procéder au changement? Clique droit puis sélectionnez Propriétés. Dans la ligne de cible et dans Démarrer, changez la lettre d'accès. Puis cliquez sur Appliquer et OK. Voilà, l'icône est enfin apparue. Le chemin est correct. Vous n'avez plus qu'à faire de même pour le reste. Vous devrez aussi effectuer un nettoyage dans les dossiers Application Data et Programme Data pour supprimer ceux dont vous n'aurez pas ou plus besoin. Une fois fait, on peut commencer. Double-cliquez sur la sauvegarde de la clé de registre précédemment effectuée. Cliquez sur Oui, puis sur Oui. Et terminé par OK.
Maintenant, clique droit sur le dossier Application Data. Puis sélectionnez Copier ou déplacer dans, si vous l'avez mis dans le menu contextuel. Ouvrir le chemin vers votre profil utilisateur. Puis choisir le dossier, puis cliquer, copier ou déplacer. Faire de même avec le dossier Programme Data, mais par contre choisir le disque système comme cible. Bon, voilà, c'est fait. Il est tout à fait normal qu'il n'y ait aucun raccourci d'épinglé. Pour cela, vous devez vous déconnecter. Clique droit sur l'icône du menu Démarrer, puis sélectionnez Se déconnecter. Maintenant, allons jeter un œil. Voilà, tout est bien positionné, ainsi que les titrages des zones. Pour cet exemple, je n'avais pas installé les logiciels avant. Il est tout à fait normal que certains raccourcis ne soient pas valides. Je vais utiliser le logiciel Patch My PC pour installer une partie des logiciels. Il n'y a plus qu'à faire un peu de ménage. Le plus gros est effectué. Bien évidemment, si cela avait été pour le même PC lors d'une réinstallation, il n'y aurait pas eu besoin d'effectuer le réadressage des lecteurs et nettoyage du dossier. Et ça aurait été plus vite à remettre en place. J'espère que cela vous aura aidé pour une prochaine remise à zéro de votre système d'exploitation. En tant que créateur, j'ai besoin de votre soutien. Rien de plus simple pour cela. Et vous savez que c'est le plus important. Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne. Parlez-en autour de vous. Bien entendu, cliquez sur « J'aime cette vidéo » et laissez un commentaire. Cela fait toujours plaisir d'avoir un retour du travail effectué. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal indiqué dans la description. Votre entière générosité me sera versée intégralement sans frais. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.